Allez, bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le jeu qui est sorti il y a quelques semaines d'ici. C'est Prison Simulator. Vu que déjà j'avais Police Simulator, j'ai des pompiers aussi. Ben voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là avec. Il est pas cher, donc pour le coup, je me lance un peu dans l'aventure de la prison. Alors, je viens de débuter. Je suis pas encore au top du top, hein, évidemment. Alors ici, je viens d'en faire un pour comprendre un peu le système, parce que il faut jouer pour comprendre un peu, c'est un petit peu normal. Donc ici, voilà, je viens d'accueillir des prisonniers. Et là, ils m'ont donné leur boîte que j'ai placée ici sur la table. Et j'en ai refusé quelques-uns tout à l'heure, parce que les papiers n'étaient pas en règle. Donc ils sont dans la pièce là. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais appeler mon collègue. Et normalement, voilà, il vient me rejoindre. Donc ici, je vais vérifier ses papiers. Je vais valider ça. Voilà. Je vais vérifier ses colis. Regarder dedans et ouvrir, voir s'il n'y a pas des petites choses un petit peu bizarres. C'est normal. Alors, check, et ici, c'est le tour de la boîte. On ouvre la boîte. Je vous explique pas tout à fait les touches parce que même moi j'ai encore un peu de mal avec les touches. Je vous rassure. Alors, il faut tout bien fouiller parce que des fois il y a des petites choses qui se cachent. Alors, je vais le fouiller lui. Qu'est-ce qu'il a lui? Comme ça, lui. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez, je vais sécuriser ça. Il n'est pas content, mais ça, on s'en fout. Ah ouais. Il faut vraiment que je pose les bonnes questions avec le respect. Ok, je fais comme si j'avais rien vu. Là, j'ai le respect du prisonnier. Ok. Alors ensuite, donne aux prisonniers les objets. Bon, ben ça, c'est sa boîte. Donc, je viens récupérer la boîte. Et je lui donne sa boîte. Le monsieur, il est content. Voilà, tout est dedans. Et là, j'appelle mon collègue. Et là, bonne logique. Voilà. Il s'en va en cellule. Donc, je rappelle le dernier. Allez, viens, mon coco. Allez, on va faire tes papiers. Ok. Bon, à mon avis, sûrement, maintenant, ils sont bons. De toute façon, je vais même plus besoin de vérifier. Sinon, vous voyez, hein, voilà. Son nom, quand vous le pointez, son nom s'affiche. Vous regardez sur sa fiche. Voilà. Si tout correspond avec son identité. Les empreintes ici, il faut les comparer. Parce que de temps en temps, il y a des empreintes qui sont pas bonnes, comme tout à l'heure j'ai eu. Donc c'est pour ça que j'ai refusé de valider le document. Alors, la sensibilité, en plus je répète, là je suis sur PS5, la sensibilité des gâchettes là c'est abusé. Alors on fait un petit tour là-dedans. Là il n'y a rien dans le capuchon, il n'y a rien à voir non plus. Allez, hop hop hop, on ouvre tout ça. Ok. C'est pas mal. Allez, on va te fouiller. Ouais, une lime. Allez, je lui prends la lime. Non, non, mon petit gars. Attends. Bon. Je viens de me faire griller, je crois. Bon, allez, tant pis, de toute façon, on va lui rendre sa boîte. Ah, si vous posez pas les bonnes questions, vous descendez directement
dans vos points de respect et de compagnie. Bon ben voilà. Tâche terminée. Ok, bon allez. Là, j'ai du temps libre. J'aimerais bien une fois aller chez le Pirlo là. Ah non, là si je vais là, c'est la cantine. Ouais, de toute façon ici je sais rien faire. Je vais aller continuer mes petits exercices d'endurance là dans la prison. Ça va me servir pour plus tard aussi ça. Comme ça si jamais il y a des bagarres, ben je suis plus fort aussi. Bah, vaut mieux prévoir. Allez. Pousse-toi de là mon petit gars. Allez, bouge. Allez. Bouge. Je veux ta place. Voilà. Alors, pour faire les poids et haltères, c'est... Ça, c'est facile, c'est marqué en bas. L1, mais il faut pas aller trop vite. Voilà, trop vite déjà. Il faut que j'en fasse 16. Voilà, bien. Voilà. Question à prendre, hein. Question d'attitude. Très bien, bah voilà, tranquille. Ouais, c'est bien, tranquille. C'est un peu de muscle. Ah, j'étais trop vite, celui-là. Ok. Bon, déjà, si c'est ok, c'est pas mal. Hein. Bien, c'est mieux. Bon, ça travaille. Ah, c'est cool ça, très bien. Ah, ça prend un peu de temps, mais après, voilà quoi. Petite question de... d'habitude. Après, encore une fois, je découvre, hein, donc je suis pas au top du top. Ça viendra peut-être. Alors, j'ai certains prisonniers parce qu'on peut leur donner des noms. Donc plus tard, il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront. J'ai mis des noms des gens avec qui je joue régulièrement. Et je me suis même mis avec, hein, donc c'est pour vous dire. Ah oui, voilà, bagarre, bagarre. À mon avis, il va falloir calmer tout ça. Ouais, parce qu'ils peuvent se battre n'importe où. Alfora te quiero. Bon, ben, fais une petite ronde hein, dans la cour, voir si tout se passe bien ou pas. On va se blinder des points. Ouh, j'ai mieux que ça. J'ai la bonne matraque là. Ouais, on leur parle un petit peu, ça fait gagner un peu du respect. Par contre, il y en a beaucoup qui en ont rien à secouer. Et ça a pris qu'il en a, lui. Qu'est-ce que tu veux? Oh, viens ici, toi. T'as pas dessus comme ça et t'as rien fait, Paris. Ah!
que... J'ai frappé mon collègue, moi, en fait. Excellent. Bon, on appelle... On appelle... Les secours, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, attends, je parmais, tête de fou, là. Eh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, attends, je suis pas prêt, c'est de la triche, mon gars. Qu'est-ce qu'il me fait en frapper, lui? C'est pas bien, bien. Tiens, mon chat. Non, mais oh. C'est moi, quoi. Oh putain, y'a le feu. Allez, on va chercher un instincteur, c'est là. Y'en a un ou là. Allez, ramasse. Ah oh, bah l'autre il est éteint. Ok, bon bah, je vais vers ça. Allez, hop, on remet l'instincteur. On reprend un bâton, on sait jamais. Et lui, pourquoi il a un truc au-dessus de sa tête lui? Fadista, Nika Digasta, Notitu Fadista la Makata. Ouais, je comprends pas trop là pourquoi ils ont des. Oh, come on, for him. Au-dessus de leur tête, en rouge, ça veut dire quoi? C'est eux qui cherchent la merde, en fait, c'est les matons, là. Bon, ok. Allez. Imonga Gumbasa. Où est sa pierre de menars? Ah, j'en ai de plus en plus à chaque fois là. Bah putain, je suis pas sorti d'auberge, moi, que ça. Après on va se laisser là-dessus les petits amis. Quand j'aurai vraiment plus l'habitude, je referai une bonne petite vidéo dessus, quitte à faire une petite série avec. Car là, je suis en plein découverte du jeu. Donc ce sera mieux pour la suite, vraiment quand j'aurai un peu plus d'habitude déjà. Enfin, voilà, je l'ai quand même pris le jeu. Donc, je vous en fais profiter un petit peu là. La prochaine fois, ben, on fera une plus longue vidéo. Et d'ici là, j'aurai un peu progressé, je suppose. J'aurai un peu plus d'habitude déjà. Allez, pour le dernier, sinon c'est bien. Bon, ben voilà, plus 20 d'endurance, c'est pas trop mal ça. Bon, ben voilà, les petits amis, on va se quitter là-dessus. Ah, ben écoutez, ouais, pour le moment, quoi dire de ce jeu? Ben écoutez, je suis encore un peu nulle part dans le jeu, donc pour le moment, ben ça se passe pas trop mal. Encore, il faut s'habituer un peu avec les touches, mais après, bon, ben, je pense que ça devrait aller. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, c'était Marc.